Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un. Tais-toi! Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un tour de magie très simple qui se joue avec le Uno. Donc vous avez besoin de 9 cartes. Tous dans l'ordre croissant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et une fois que vous avez vos 9 cartes, vous les disposez comme ceci sur la table. Et vous dites à votre ami d'en face de couper le paquet autant de fois qu'il le souhaite. Admettons, il peut le couper. Il peut le couper autant de fois qu'il le souhaite. Il n'y a vraiment pas de souci. Ensuite, vous lui dites que qu'il pense à une carte, à un chiffre entre 1 et 9. Admettons, votre ami choisit la carte 4. Très bien. Une fois qu'il a choisi la carte 4, tout doucement, en parlant avec lui, vous regardez discrètement le dessous du paquet. Là, c'est le chiffre 3. Donc, l'astuce. Hein, je ne vous la dis pas tout de suite, je vous la dirai à la fin. Donc, il a pensé au chiffre 4. Je dis très bien, je vais me retourner et pendant que j'aurai le dos tourné, tu vas prendre le nombre, ton nombre et les mettre en dessous. Par exemple, il va mettre 4 cartes en dessous du paquet. Et moi, tout doucement, je vais regarder le chiffre 3. Ça va m'aider pour la solution. Donc je me tourne, il prend le paquet en main et il dispose 4 cartes en dessous du paquet. Voici. Ensuite, quand moi je me retourne, je dis très bien, tu as mis ton nombre de cartes en dessous, il me dit oui, j'ai mis mon nombre de cartes en dessous. Je dis très bien. À moi maintenant de placer des cartes. Mais moi. Voici. Donc je lui dis ton nombre, il me dit 4. Je dis ah oui, donc c'est bien le chiffre 4. Voilà, et ça, vous n'avez jamais me tromper. Je vais vous expliquer le tour. Et vous pouvez recommencer autant de fois que vous voulez. Donc, on va refaire le tour étape par étape. Donc, il coupe le paquet. Ça, on s'en fiche royalement, que ça soit dans l'ordre ou non. On s'en fiche vraiment royalement que ça soit dans l'ordre. Donc, je lui dis de penser à un chiffre. Admettons, il pense au chiffre. Le chiffre 3. Admettons, il pense au chiffre 3. Moi, tout doucement, discrètement, je regarde quoi? Je regarde 8. Et là, dans ma tête, je fais l'addition suivante. 9 moins 8. 9 moins 8 est égal à 1. Donc, quand ça sera mon tour, je devrais mettre une carte en dessous. Donc, lui, il pense au chiffre 3. Alors, il prend le paquet de cartes, il met 1, 2, 3. Très bien. Moi, je me retourne. 8 moins 9, 1. Donc, c'est celui-là en fait. Là, il y a 3 là. Là, c'est 3. Et voilà. Voilà, le tour, c'est un tour. C'est mathématique. C'est un peu compliqué à comprendre, mais vous pouvez faire ça autant de fois que vous voulez. Je vous le répète. Essayez, c'est vous. C'est la loi des mathématiques, tout simplement.